Mon coiffeur est un petit rigolo-golo. Il fait des farces à ceux qu'il trouve pas beaux. Et la dernière, c'est quand il a laissé sans pitié Monsieur Sérieux dans la forêt sans carte bleue. Wow, 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 Monsieur Sérieux s'est retrouvé bien mal. Car il était devenu impotent, car il était devenu impuissant. Alors il est mort comme un gland, alors il est mort. Et aujourd'hui, mon coiffeur est en prison, prison. Voilà pourquoi je suis coiffée de cette façon. Aujourd'hui, mon coiffeur est en prison, prison. Nanana, voilà pourquoi je suis coiffée de cette façon. Mon coiffeur est vraiment un joyeux luron, mais il n'aime pas qu'on le prenne pour un con. Wow, 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 wow. Alors un jour, mon coiffeur a décidé que désormais la vérité devait éclater. Alors il a écrit au président et à tous les autres trafiquants qui nous compriment la cervelle et qui la transforment en ficelle. Il est allé à la télé pour demander qu'on ne soit plus manipulé. Et aujourd'hui, mon coiffeur est en prison, prison. Voilà pourquoi je suis coiffée de cette façon. Aujourd'hui, mon coiffeur est en prison, prison. Nanana, voilà pourquoi je suis coiffée de cette façon. On se retrouve devant un beau dilemme. Au pied de mon coiffeur, il y a les chaînes. Se taire serait une corruption. Se battre serait le sang à foison. Nous revoilà comme en 40, une paix corrompue ou une victoire sanglante. Car aujourd'hui, mon coiffeur est en prison, prison. Voilà pourquoi je suis coiffée de cette façon. Aujourd'hui, mon coiffeur est en prison, prison. Nanana, voilà pourquoi je suis coiffée de cette façon. Boîte.
nos essences sont cachées dans un tapis de mousse. C'est là toute la difficulté. Ne pas passer, ne pas passer, ne pas passer à côté. Alors n'oublie jamais que la plus belle fille du monde a 11 mètres d'intestin dans le ventre. Faut pas regarder que la boîte. C'est ça, non? Si tu ne sais pas, cherche. Si tu n'entends pas, cherche. Si tu ne sens pas, cherche. Si tu ne vois pas, docteur et aux acupuncteurs, mais leurs aiguilles vont se figer dans ton cœur. Ils
vont te tuer, alors je me dois d'aller essayer de parler à des moulins à vent. Et ils vont te tuer, alors je me dois d'aller essayer de parler à des moulins à vent. Oh mamma Gaïa, j'ai peur de sortir de ton ventre, car dehors il y a mes faux frères, les idiots dont l'ombre est ma pleine d'équipe, ceux qui t'épilent au laser et qui brûlent tes habits. Moi je veux nager dans ton placenta tout chaud et chanter la vie dans ton harmonie, car ici on ne paye pas pour manger, marcher, dormir ou même respirer. Mamma Gaïa, j'ai peur de sortir de ton ventre, je ne veux pas aller chez eux, ceux qui marchent sur ta tête avec des talons aiguilles. Cracher dans tes veines un venin de ta vie. Je préfère nager dans ton placenta tout chaud et chanter la vie dans ton harmonie, car ici on ne paye pas pour manger, marcher, dormir ou même respirer. Mamma Gaïa, j'ai peur de sortir de ton ventre, car n'arrête pas de faire du bruit. Dis aux docteurs et aux acupuncteurs, mais leurs ennemis vont se briser dans ton cœur. Ils vont te tuer, alors je me dois d'aller essayer de parler à des moulins à vent. Ils vont te tuer, alors je me dois d'aller essayer de parler à des moulins à vent. Car tu n'as qu'une vie. Daï, 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 di. Daï, 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 di. Daï, daï, I'm not afraid to die.
Thank you.